fois de plus, c'est un réel plaisir de vous retrouver toujours dans le studio Soteria Media pour une fois de plus parler des événements de ce monde. Et nous avions dit que dans nos précédentes émissions, et surtout que nous sommes en train de parler tout simplement de la fin des temps, nous savons que aujourd'hui nous sommes pratiquement dans les derniers temps. Et c'est très important que nous puissions aussi expliquer aussi aux bien-aimés et aux autres ce qui est important de comprendre aujourd'hui concernant la parole des dieux et surtout les événements qui s'approchent ou encore qui viennent dans ce monde. Le livre de Matthieu, chapitre 24, nous a montré quelque part que nous devons comprendre Jésus en train de dire aux disciples que voici les signes qui vont arriver. Vous allez entendre des bruits des guerres et vous verrez des guerres par-ci, par-là. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il nous dira il y aura des faux prophètes, beaucoup viendront en son nom, disant que c'était lui, mais en réalité, il nous dit de ne pas les suivre. Et puis, vous avez également d'autres points, des famines, par exemple, qui vont sévir partout dans le monde. Vous avez des tremblements de terre qui vont également apparaître. Lorsque vous regardez le monde aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a, au moins chaque année, nous avons au moins 2, 3, 4, 5, 6, sinon plus, plus d'une dizaine, d'une vingtaine de tremblements de terre partout dans le monde. Et par moments, très fort sur l'échelle de Richter, des fois 7, 7,5, 8, vous avez des catastrophes extrêmement importantes qui se produisent aujourd'hui par rapport au temps passé. Le Népal, il n'y a pas longtemps, a connu un problème de tremblement de terre extrêmement violent. Alors, donc, la Bible nous montre que nous sommes déjà dans les derniers temps, nous sommes dans ces temps-là. Et Jésus, elle a dit clairement, lorsque vous verrez ces signes, sachez que vous approchez de ces temps de la fin. Mais il y a aussi autre chose qui est très important. Il nous dira aussi de voir des signes. Regardez ces signes, vous allez comprendre que, évidemment, nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, la semaine passée, ou encore les jours passés, je vous ai parlé de cette renaissance de la Sainte Empire romaine. Je disais que la renaissance de la Sainte Empire romaine était un clou, un clé important dans la prophétie biblique. Pourquoi? Parce que lorsque Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 2, a eu cette vision de voir cette statue, d'abord, le roi a vu et puis le roi a oublié. Le roi a demandé qu'on puisse lui expliquer. Daniel, avec la grâce des dieux, a pu expliquer cette statuette, cette statue, où on nous disait que, évidemment, vous avez une statue avec des différentes parties dans son corps. L'or avec l'or sur la tête, et puis vous avez l'argent ensuite, et puis vous avez le bronze ensuite, vous avez les reins aussi, et puis le fer, qui était la quatrième partie, les jambes, mais il y avait aussi un autre point important qui est les pieds. Et les pieds, c'était un mélange du fer et de l'argile. Et ce qui est important, je crois que c'est très important que nous pouvons peut-être voir cela, comprendre un passage que Daniel expliquera plutôt au roi. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, nous allons lire rapidement, verset 31. Il dit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Maintenant, le verset 32, il y a la description justement de cette statue. Vous voyez, il y a d'abord la tête de cette statue était d'or pur, tel que la parole de Dieu lui dit, et sa poitrine d'argent, tout simplement. Et puis, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, les jambes et les fers, ses jambes de fer. Et puis ses pieds en partie de fer et en partie en argent. Et nous avons compris que finalement, la prophétie elle-même a expliqué ces choses.
Nous avons compris que la tête, c'était Babylone, c'était l'empire de Babylone, parce que Daniel lui dira, la tête, évidemment, c'est toi. Et puis, ce qui va suivre, justement, c'est sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Cela représentait l'empire perse à l'époque. Et puis, nous avons aussi son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Cela représentait la Grèce. Et puis, vous avez ses jambes de fer, évidemment, qui représentaient Rome, l'empire romain. Et puis, la partie importante, la cinquième partie, où très souvent les gens n'expliquent pas cela, c'est justement ce mélange du fer et de l'argile. Et Daniel expliquera également cela d'une manière assez extraordinaire. Il dira, verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa ses pieds, les pieds de fer et d'argile de la statuette, de la statue. Et les mises en pièces. Verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire. En été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre devint, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà ce que David a expliqué. Et lorsque David a expliqué cela, il a montré aussi quelque chose. Nous avions dit, après nous allons lire cela, le verset 43, toujours dans le même chapitre, nous dira, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ça, c'est la dernière partie, le pied avec les 10 orteils. Il dit là, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point l'un unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Très important pour nous montrer que la dernière partie, c'est justement un mélange. Ce sont des alliances qui sont en train d'être faites. Et nous avons expliqué que cette dernière partie symbolisait aujourd'hui, la renaissance de la Sainte Empire romaine. La renaissance de la Sainte Empire romaine. Pourquoi ceci est très important? Parce que justement, c'est de cette base-là, de cette entité qui est née aujourd'hui, c'est de là où l'Antichrist trouvera sa base pour asseoir son autorité, selon justement ce que la parole de Dieu nous montre. Nous allons vraiment petit à petit dans la fin des temps. Alors, c'est justement cela qui fera que, et selon justement la parole de Dieu, c'est là où nous voulons aller dans le livre de Apocalypse chapitre 13. Parce que, non, Apocalypse chapitre 7 d'abord, et ensuite nous allons aller dans l'Apocalypse chapitre 13, parce que là-bas nous allons comprendre aussi certaines choses. Lisons ici le verset, le verset 4. Et verset 4 qui est aussi un verset assez important surtout pour nous aussi. Pourquoi? Le premier était semblable. Voilà ce qu'on nous dit. Daniel voit apparaître quatre bêtes qui sortaient justement de la mer. Et maintenant, il commence à décrire. Il dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Ça, c'est un lion. C'est la première description qu'on nous donne. Deuxième description. Et voici un second animal était semblable à un ours. À un ours. Et se tenait sur un côté. Il avait trois côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Troisième, verset 6, après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Nous avons vu la première description du lion, nous avons vu la deuxième description de l'ours, et maintenant nous voyons la description tout simplement de ce léopard, ce troisième animal qui sort toujours des eaux, est semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Et cet animal avait quatre têtes
la domination lui fut donnée. Et la domination lui fut donnée. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Un léopard. Nous allons continuer cela pour mieux comprendre ceci. Nous allons aller au verset 7. Verset 7, on nous fait comprendre que après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible cette fois-ci. Il y avait un quatrième animal terrible cette fois-ci qui sortait. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Wow, il avait 10 cornes. Alors, bien aimé, pour récapituler un peu, parce que je crois que c'est très important pour ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre ceci. Daniel voit dans le livre, dans le chapitre 7, il a une vision nocturne et il voit 4 animaux, des animaux évidemment, qui sortent justement de la mer et qui viennent justement au monde. Et il commence à décrire complètement chaque animal. Le premier, il nous dit, c'était un lion. Il était vraiment comme un lion. Le second, évidemment, un lion avec 2 ailes. Et il verra après que ses ailes lui seront coupées. Et ensuite, il nous dit, il y a un deuxième animal qui sort également. C'est un ours. Et cet ours, on lui disait, mange, mange, mange. Il est sorti, il y avait un troisième animal qui était un léopard. Il a décrit le léopard et qui nous a fait comprendre que ce léopard avait 4 têtes. Ensuite, il nous dira dans le chapitre 7, dans le verset 7, il dira que cet quatrième animal qui apparaît, il est plus fort, plus grand, plus fort, plus puissant même. Il ravageait tout autour de lui. Il était tellement fort. Lorsque nous regardons ces choses, bien aimés, comme je vous ai expliqué dans nos précédentes émissions, je l'ai dit encore une fois de plus. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, ainsi que le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'images. Et ces images symbolisent toujours quelque chose. Et parfois même, ces mêmes images sont expliquées dans les versets, soit dans le même chapitre, soit dans les chapitres qui viennent. Donc, à un certain moment, ces mêmes images s'expliquent également. Et par rapport au monde aujourd'hui, nous pouvons voir avec une certaine précision ce que signifient justement ces animaux. Le verset 17, toujours dans le livre de Daniel, chapitre 7, le verset 17 nous dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Voilà encore une indication qu'il est en train de nous donner ici. 4 animaux. Maintenant, bien aimé, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Daniel chapitre 2. Où Daniel chapitre 2 a évoqué ou encore a vu ce rêve qu'il nous a donné et il nous a donné également les explications. Nous vous avions expliqué ce que signifiait cette statue. Nous avions dit que c'était les quatre empires, les 5 empires qui sont sortis et qui d'autres, la toute dernière, sera encore jusqu'aujourd'hui, prendra effet et sera là jusqu'aujourd'hui, régnera de nos jours. Pourquoi? Nous allons comprendre cela. La première, c'était Babylone. La deuxième, c'était justement l'empire perse. La troisième, c'était l'empire grec. Et la quatrième, toujours, c'était l'empire romain. Alors, les pieds représentaient justement, selon la description que Daniel nous a donnée, c'était une alliance entre le fer et l'argile, et qui, il a expliqué cela, que c'était des alliances des hommes, des alliances humaines. Et nous avons expliqué que c'est sûrement ces pieds-là, c'est là où un pierre
viendra de nulle part et va smash, si vous voulez, détruire cette statuette justement à partir de ce pied. Et ça a été démontré également que cette pierre-là, c'est justement ce royaume de Christ. Ce Christ qui revient et qui revient très bientôt. Et là, lorsque nous mettons les points ensemble, les puzzles ensemble, nous comprenons que désormais, lorsque le retour de Christ sera très bientôt d'ailleurs, mais il va venir justement au moment où cet empire-là, qui a ce mélange, cette alliance du fer et de l'argile, est en train de se passer, si vous voulez, d'être là, à nos jours, aujourd'hui. Ce qui nous fait comprendre que très bientôt, Christ revient. Nous sommes vraiment dans les derniers temps, et c'est très important pour nous de les comprendre. Et nous avions expliqué ce dernier empire, nous avons expliqué que c'était la renaissance de l'empire, de la Sainte Empire romaine. Il y avait l'empire la Sainte Empire romaine qui a été dirigée par Charlemagne lorsque le roi Léon III l'avait intronisé et l'avait couronné comme étant l'empereur de la Sainte Empire romaine. Mais nous savons très bien que selon l'histoire, que cet empire a pris fin autour de 1806 avec Napoléon par exemple. Mais nous avions aussi compris que cet empire aujourd'hui renaît sous la forme justement de l'Union européenne. Et nous vous avions expliqué pourquoi. Je vous ai donné quelques indices. Je vous ai fait comprendre que désormais, qu'il était important de comprendre que l'Union européenne aujourd'hui, c'est justement cet Saint Empire romaine. Parce que toute chose, tout ce qu'ils font, tout est sous l'égide de Charlemagne. L'écu qui était sorti, c'était la figure de Charlemagne. Les prix, le prix Charlemagne, la page du magazine Charlemagne, la maison, l'immeuble où abritent évidemment les institutions de l'Union européenne, c'est l'immeuble Charlemagne. Les colliers qu'ils portent, si vous voulez, les médailles, c'est médailles Charlemagne. Donc tout est Charlemagne. Et cela prouve à suffisance que c'est la renaissance de l'Empire, de la Sainte Empire romaine. Maintenant, regardons ici. Daniel au chapitre 7. Quatre animaux, les quatre animaux sortent de l'eau et ils viennent. La description est parfaite. Le lion, le léopard, l'ours et la dernière, on nous dit, il a juste, c'est une grande bête très puissante et qui a 10 cornes. Pour interpréter chaque chose que nous devons interpréter, je vous ai dit que la Bible, Apocalypse ou Daniel ou encore ailleurs, ce sont des images, mais qui sont frappantes. Pourquoi? Parce que elle nous montre ce que nous avons aujourd'hui sur la terre. Le lion qui est sorti, selon la prophétie, c'est justement, je vais aller avec ça et je vous montrerai pourquoi nous parlons de cela. Le lion et le symbole. Quel est le pays aujourd'hui en Europe qui a comme symbole le lion? Vous avez bien deviné, c'est l'Angleterre. Le deuxième animal qui est sorti, c'est l'ours. Quel est l'animal aujourd'hui en Europe qui a comme symbole l'ours? Vous avez encore bien deviné, c'est la Russie. Le troisième animal qui est sorti, c'est un léopard. On nous dit qu'un léopard a quatre têtes. Le quatre têtes est très important parce que nous verrons cela après. Le léopard représente l'Allemagne. Mais pourquoi nous disons que le léopard représente l'Allemagne? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans ce temps moderne, le symbole de l'Allemagne, c'est beaucoup plus cet oiseau, cet aigle. Mais lorsque nous allons dans l'étude de la prophétie, ou encore l'étude de Daniel chapitre 7, nous allons voir
qu'il y a beaucoup de similitudes ou des choses qui nous permettent aujourd'hui de dire que le léopard représente l'Allemagne. Pourquoi le léopard représente l'Allemagne aujourd'hui? Parce que justement, vous vous souviendrez, la parole de Dieu dit, je pense, Daniel chapitre 7, le verset 6, il nous dit que la troisième bête qui est sortie, le léopard, cette bête a quatre têtes et aussi quatre ailes, comme on dirait. Alors, lorsque nous regardons, évidemment, la configuration de l'Allemagne aujourd'hui, par rapport à son histoire, nous pouvons comprendre que le léopard dont on parle, dont le livre de Daniel parle ici, dans le temps moderne aujourd'hui, est comparé justement, sinon comparé, et plutôt l'Allemagne. Parce que les quatre têtes représentent les quatre périodes, ou encore je dirais, quatre empires. Nous parlons de période ou empire. Quatre têtes. Alors, la première tête représente justement l'Empire Charlemagne. Nous avons vu cela a été appelé Holy Roman Empire, donc le Saint-Empire romain avec Charlemagne. La deuxième tête représente ce deuxième empire qui est venu après, je crois, aux alentours des 1870, qui je pense, quelque part par là, avec Bismarck. Von Bismarck. C'était aussi un empire qui a régné pendant longtemps, toujours l'Allemagne dont nous connaissons. Et la troisième tête représente évidemment cette période, si vous voulez, de Hitler, la domination de Hitler dans la configuration de l'Europe. Alors, la quatrième tête aujourd'hui représente toujours l'Allemagne, mais en fait, c'est une coalition, vous allez remarquer, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a aussi cette bête qui a quatre têtes, a aussi quatre ailes. Nous allons arriver à cela. C'est toujours l'Allemagne, mais qui exerce une domination nous dirons tangible sur l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne qui aujourd'hui. En d'autres termes, nous pouvons dire que cette quatrième tête est l'Union européenne, mais toujours dominée, chapeautée par l'Allemagne qui est justement le moteur, si vous voulez, de l'Union européenne aujourd'hui. Alors, quelque chose d'assez important, puisqu'on nous dit que cette bête a avec lui quatre ailes, et donc lorsque vous regardez très bien aujourd'hui dans la configuration actuelle de l'Union européenne, vous avez deux pays qui dominent réellement l'Union européenne, qui constituent le moteur, si vous voulez, la base, si vous voulez, de l'Union européenne. C'est justement l'Allemagne et la France. Or, le symbole de la France, c'est justement l'oiseau, le coq que vous connaissez, qui a des ailes, évidemment. Et donc, vous voyez, cette combinaison de tous les deux forme quelque chose d'assez exceptionnel de l'Union européenne. Mais nous allons aussi donner beaucoup plus d'indices pour cela un peu plus tard. Mais je voudrais revenir sur l'Allemagne. Pourquoi nous disons que le léopard représente l'Allemagne? Premier indice, tel que nous venons de l'expliquer. Deuxième indice, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait des blindés qu'on appelait à l'époque des Panzer, comme disait en allemand, des Panthères. Alors, après cela, il y a eu une autre espèce qui est sortie de blindés assez bien formés, qui était justement les léopards. On appelait ce blindé les léopards. Et à cause de ce blindé, parce que ce blindé était tellement puissant et tellement puissante, et puis qui arrivait à se déplacer de façon extraordinaire, et qui d'ailleurs a failli leur donner la victoire. Malheureusement, évidemment, comme nous connaissons comment cela s'est terminé. Mais l'important, c'est que ces blindés appelés les léopards dominaient l'Europe d'une manière assez extraordinaire. Et même qu'aujourd'hui, beaucoup des
d'armées européennes ont dans leur sein, justement, comme matériel de guerre, des blindés allemands, qu'on appelle aujourd'hui des léopards. Donc nous avons l'Angleterre, la Russie, l'Allemagne. Ces trois pays feront partie, si vous voulez, ou encore feront alliance avec l'Antichrist qui va sortir ensemble pour dominer ce monde. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit qu'il y a une alliance entre le fer et l'argile. Et l'argile a 10 au pied, c'était 10 orteils. Et si nous avons compris, on nous a dit que après on verra cet animal qui va sortir, cette grande bête qui va sortir après, qui a justement qui est puissant et qui dévaste tout partout autour d'elle. Elle a 10 cornes. 10 cornes. Maintenant, puisque nous savons déjà qu'il y a une renaissance de la Sainte Empire romaine, puisque nous savons que c'est ce royaume-là, c'est ce royaume-là qui va être le soubassement ou encore la base du pouvoir de l'Antichrist. Puisque nous le savons déjà, vous comprendrez que ces pays sont aujourd'hui ensemble dans l'Union européenne, formant justement une grande puissance aujourd'hui, parce que nous devons aussi le comprendre et le citer, que l'Union européenne est une grande puissance aujourd'hui, dans le monde aussi, avec plus de 200 millions quelque chose d'habitants et tout ça. C'est énorme. Donc, c'est une grande puissance. La fois dernière, on parlait de Brexit. Oui, parce que l'Angleterre voulait sortir. Oui. Et quelque part, quelqu'un nous a posé la question de savoir si il y avait une explication aussi biblique à cela. Alors, je disais que, bien sûr, nous pouvons interpréter cela d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr et certain, que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe ou qu'ils y restent, ça ne changera rien, parce que d'une manière ou d'une autre, il fera partie de cette alliance-là où l'Antichrist dominera. Donc, sa sortie ou le fait de rester ne pourra pas vraiment changer quelque chose. Mais sa sortie quand même est une indication. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre ici qu'il y aura ces trois bêtes plus les 10 autres, cette bête, cette grande bête qui va sortir. En fait, cette bête, c'est une structure à 10 têtes, 10 cornes. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y aura certainement l'Angleterre, la Russie, l'Allemagne, et puis il y aura cet assemblage, si vous voulez, cette union des 10 pays peut-être et 10 autres organisations. Nous ne savons pas qu'est-ce que cela va représenter exactement. Mais ce qui est sûr et certain, ils seront 10, parce que la prophétie est là. Parce que la Bible l'a dit, c'est une bête qui est sortie avec 10 cornes. Ce qui présuppose que dans les jours à venir, peut-être, nous ne savons pas comment cela va se passer, il peut y avoir non pas une désintégration de l'Union européenne, mais quelque part, peut-être, quelques assemblages, mais tout ce que nous savons, qu'il y aura 10 pays, sinon 10 entités ensemble, qui vont rester ensemble et qui vont constituer une force extraordinaire. Aujourd'hui, l'Union européenne a autour de 28 pays, je crois, 28 pays, quelque chose comme ça, 28 pays. Nous ne savons pas comment ils vont se... Il va rester simplement 10 pays. Mais ce qui est sûr et certain, nous savons déjà qu'il y aura 10 pays ou encore 10 entités qui resteront, qui vont former bloc et qui seront en alliance avec le lion qui est la Grande-Bretagne, l'ours qui est la Russie et le léopard qui est justement l'Allemagne. Et si vous regardez très bien selon l'histoire, vous allez comprendre que désormais, vous allez comprendre que depuis toujours en Europe, l'Allemagne a toujours constitué une force extraordinaire.
une force extraordinaire. Elle a été pratiquement au début de tous les grands événements de ce monde ici-là. Pratiquement, si vous voulez, de l'Europe. Je parle de l'histoire de l'Europe. Elle a été au début de la Première Guerre mondiale. Elle a été aussi au début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a régné aussi pendant longtemps. L'Empire, la Sainte Empire romaine de Charlemagne a régné en Europe pendant au moins 1000 ans. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, quelque part, cette Allemagne même est en train de se refaire, est en train de ressortir encore. Parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne constitue un pilier important de l'Europe. Sans l'Allemagne, on peut dire presque que l'Union européenne n'existait pas. Bon, elle constitue une force, l'Allemagne constitue une force extrêmement importante. Et lorsque nous avons cela à l'idée, nous pouvons penser également, puisque déjà, il y a eu déjà, lorsque on parle de quatre têtes, vous savez, l'Allemagne, aujourd'hui encore, nous avons, il y a eu le premier Reich, comme eux-mêmes les appellent, il y a eu un second. Hitler est venu pour aussi faire encore un troisième, qui n'a pas réussi peut-être. Mais il y aura encore un quatrième. Ou non, qui sait si également, d'une manière ou d'une autre, quelque chose sortira de l'Allemagne aussi fort. Parce que à l'heure actuelle, l'Allemagne est en train de refaire son armée, de refaire son organisation, de refaire complètement tout. Et elle est une puissante économiquement, une puissante économie dans le monde et aussi en Europe. Elle est puissante quand même d'une manière ou d'une autre parce qu'elle contribue à beaucoup de choses. Et sans l'Allemagne, l'Union européenne ne pourrait peut-être pas résister comme on le pensait. Donc, lorsqu'on parle de Brexit, la sortie de l'Angleterre, c'est aussi un élément important. Pourquoi? Parce que l'Angleterre ne fait pas partie ou ne fera pas partie de ces 10 qui vont constituer justement cette grande bête. Il sera à côté. Mais il aura toujours une alliance. Daniel nous a dit, ce sont des alliances humaines. Donc il y aura toujours une alliance. Sa sortie montre tout simplement que quelque chose est en train de bouger. Quelque chose est en train d'arriver. Peut-être même, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers l'accomplissement également de cette prophétie d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas comment l'Allemagne va se retirer de l'Union européenne. On ne le sait pas. Mais tout ce que nous savons, la Russie aujourd'hui a aussi sa part. La Russie est revenue en force encore une fois de plus aujourd'hui. La Russie est réarmée à toute la puissance, si vous voulez, sur le plan armement et même politiquement. La Russie pèse aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons ces deux pôles là, les États-Unis d'un côté, les Russes aussi, l'Europe aussi au milieu. Mais ça montre que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est contenu de cette parole, de la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et c'est justement cette base-là, cette base, cette entité nouvelle qui est en train de prendre forme. C'est là, je le répète encore une fois, où l'Antichrist prendra sa base. Très important pour nous de comprendre cela, bien-aimés. Lorsque nous comprenons cela, nous allons commencer à lire, à voir les événements qui commencent à venir dans le monde avec beaucoup d'intelligence. Lisons un peu le Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 nous dit quelque chose d'assez important. Je vous rappelle que Jean a vu, il a vu cette combinaison, si vous voulez, des bêtes, ces quatre bêtes qui sont sorties, comme Daniel l'a vu. Jean l'a vu également. Lisons également dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Voyons un peu 13, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. La bête que je vis était semblable à un léopard, une fois de plus. Le léopard que Daniel a vu également. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Une ours, et sa gueule comme une gueule de lion, encore une fois le lion. Le dragon lui donna la puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est tout simplement le serpent ancien, c'est Satan. Et il nous dit maintenant ici que Satan lui donna cette force. C'est pour dire que cette Union européenne que nous voyons aujourd'hui,
Bien-aimé, c'est une indication extrêmement importante pour nous de comprendre aujourd'hui que nous sommes en train de vivre les derniers temps, les derniers moments. Commençons maintenant à comprendre ces choses. Commençons maintenant à voir ce monde d'une manière différente. La Bible nous a dit quelque chose d'assez exceptionnel. Jésus lui-même disait à Jérusalem, il dit « Jérusalem !» Dans Luc 19, je crois à partir du verset 41, il disait, 40 et 42, il disait que Jérusalem, il pleurait sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas su discerner le temps de la visitation. Et il a dit, puisque tu n'as pas su discerner ce temps, les choses qui contribuent à ta paix te seront cachées désormais. Alors, nous sommes dans un moment où c'est très important, bien-aimé, ne cachons plus, commençons à lire la parole de Dieu, à comprendre les événements de ce monde aujourd'hui pour comprendre comment nous préparer. Nous sommes réellement dans les derniers temps, dans les derniers temps. Brexit, c'est une indication. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'il y avait ce référendum de Brexit, quelque chose s'est passé. Peut-être que nous appellerons cela quelque chose de moindre, qui n'a peut-être pas d'importance. Mais en réalité, ça a une grande importance. Lorsque, à la veille de ce référendum, il a plu. Et il pleuvait. Il a plu abondamment. Mais non seulement cela, il y a eu un tonnerre extrêmement important qui a été entendu pratiquement dans tout Londres. Un tonnerre terrible. Dans d'autres quartiers de Londres, la lumière est partie. Ce tonnerre a été extrêmement puissant. Et nous l'avons entendu partout. Certains se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Quel genre de tonnerre pouvons avoir ça? Ceci n'était pas juste quelque chose de un hasard. Parce que nous n'avons pas eu ce genre de tonnerre à Londres. Comme ça. Il y avait quelque chose. C'était comme, comme disent les Anglais, un big statement. Pour dire que le temps est arrivé. Nous déchirons quelque chose, nous sortons. C'était quelque chose d'assez puissant. Et avant cela également, vous avez vu également une MP, malheureusement, a été tuée pour rien. Juste comme ça, une personne se lève et va commencer à le poignarder et puis à tirer sur elle. Pour rien. Le sang a coulé. Nous devons comprendre une chose. Politiquement, lorsque certaines choses se passent, pour qu'ils aient des résultats, ils ont besoin de sacrifices. Ils ont besoin de quelque chose. Who knows ce qui s'est passé ce jour-là? Qui sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là? Mais ce qui est important, c'est ce que je voudrais dire. Ces choses n'ont pas été là où ne se sont pas produites comme des coïncidences. Nous devons aussi, d'une manière spirituelle, essayer de voir cela. Les faits sont là. La Grande-Bretagne est sortie. Mais je peux comprendre maintenant, puisque selon Daniel chapitre 2, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de cette grande bête, mais de cette bête de 10, mais qui fait alliance avec elle. Ce qui est important pour nous de comprendre aujourd'hui, que quelle que soit la nature de leur alliance, ce qui est sûr et certain, ce pays, l'Europe, fera partie de la base de l'Antichrist. Et c'est ça que nous devons comprendre. Le temps est arrivé pour nous de comprendre cela et de commencer à prier maintenant, à prendre les dispositions qui s'imposent. Bien-aimés, c'est avec plaisir que j'ai été avec vous pour vous donner ces quelques éléments de la prophétie, surtout dans le livre de Daniel, chapitre 2 et chapitre 7. Mais nous allons aussi continuer dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, évidemment, dans nos prochaines émissions. Nous allons parler également de cette grande bête dans le livre de Apocalypse 13. Ça sera aussi quelque chose d'assez important. Que le Seigneur vous bénisse.